Salut à toi qui regarde cette vidéo. Donc on est toujours à Faramazoula. On était parti pour aller affronter le chevalier du creuset. Coup, je me souviens plus ce qu'il y avait des mobs. Oui, il y avait des mobs là-bas. On doit pouvoir passer discret ici, je pense. Non. Aïe. La famille relou. Faut descendre là. Ok. Si on fait pas le con, on saute. C'est bon. Ok. Et là, c'est tout droit. Ok. Peut-être prendre la petite popo qui va bien. Et let's go. En espérant que j'aurai pas d'input memory ce coup-ci. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il fait ça, lui. Ok.
encore un passage ici. Je sais plus. Est-ce que j'ai laissé des trucs ou pas? Il y avait le passage tout en haut de l'ascenseur, ça je m'en souviens. Est-ce que j'ai pas laissé un autre passage quelque part? Par contre, je me souviens pas. Je crois pas, je crois que c'était bon, mais. Bon, cette tour-là, je pense pas qu'on puisse y aller. Non, je pense pas. Donc là, on a une statue de dragon complètement destroy. Ah non, c'est là qu'il faut sauter. Il faut sauter comment? Comme ça? Ah oui, c'est les gros costauds avec la grosse lame là, ça. Ah putain, c'est bugué. Voilà. Donc du coup, ça, ce serait pour aller... ce serait pour aller au boss là-bas. Ok, donc ça, je le ferai pas tout de suite, par contre. Enfin, pas le gros boss, mais on peut déjà faire ce qu'il y a en cours de route. Là, on va tâcher de sauter en face. Ok. Ok. Ah, c'est vrai que j'aurais pu aller monter des armes, j'y ai pas pensé là, entre les deux vidéos. Le retour des gros pigeons. Ok. Je vais tomber là si j'essaie d'aller plus loin. Bon. On a deux belles dindes. Ok. Ah oui, bah oui. Bah fais des trucs après, ouais, t'as raison. Bon, ça devient lourd là. Puis il me fait toutes mes actions après, quoi. Je prends d'abord un taquet et ensuite il fait l'action. Fabuleux. Merde, j'ai été con, j'aurais peut-être dû me reposer là, j'ai pas beaucoup de fioles. Ouais. Il m'en reste combien? 8. Il se passe un truc en bas aussi, hein. Ok, alors attends, on a pigeon 2 ici. Ah ben ouais, mais... Ah oui, ben oui, les putains de roulades après. Forcément. Ah, je pensais qu'il allait avoir un truc, moi, ici. Mais non, faut venir d'en bas. Ok, donc il doit y avoir un autre passage ailleurs. Parce que ici, je pouvais pas... Ça fait haut quand même.
pourrait passer par là. Ah, il y a un dragon là-bas. D'accord. Ah, il m'a vu. Ah ouais, d'accord. Ah oui, la grosse ambiance, quoi. Faut d'abord aller l'affronter et... Ah oui, mais attends, mes runes, moi. Bah oui, c'est vrai, en fait. Qui a complètement oublié. Attends, c'est pas là. C'est là. Il me faut 253 000. Ouais, mais je dois avoir des runes à craquer. Bon, attends, vas-y. On va reprendre là. Hop. Mais non, je suis con. Faut que je craque des runes d'abord. Ouais, c'est 253 000, je crois, qu'il me fallait. Alors, ça donne combien, ça? Hop là. Alors, tac. Ah, ok. Donc dans l'idéal, il faudrait même pas s'occuper d'eux, faire ça après, aller d'abord aller affronter le dragon. Allez, let's go. J'étais en train de réfléchir, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Putain, mais il y a des pigeons partout là. Ouais. Ah, il m'a fait tomber. D'accord. Ah ouais, mais en fait il est plus loin que ce que je pensais là. C'est où la suite? C'est là. Mon jeune pigeon. Mais non, mais il y en a 50 000 des pigeons là. C'est quoi ce délire là? Est-ce que je peux jouer? Il fallait peut-être pas rusher finalement. Je me suis dit que si, mais... Oh! C'est bon, il met sa tête de ce côté-là. Mais ils ont suivi les putains de pigeons, hein! Ils sont sérieux! Ah, ça va, ils se font toucher par la foudre. J'ai cru qu'ils allaient pas se faire toucher. Elle est morte! What the fuck, j'ai mis trois coups d'épée! Ouais, c'est eux qui vont me tuer. Oui, forcément. Oh putain! Oh là, mais qu'est-ce que c'est chiant, putain. Dégage ta race, quoi. Il y en avait un deuxième, il est passé où? Il est reparti, c'est lui qui est reparti peut-être là-bas. Ah ouais, en fait c'était un dragon en mousse. Ok. Je m'attendais à un truc chaud patate de ouf. En fait, pas du tout. Bon bah pourquoi pas. Alors, c'est quoi ce gros bout de ouf? Oh, ça, ça fait plaisir. Parce qu'on n'en trouve pas beaucoup pour les pierres sombres. Oh là là, mais encore un passage ici. Ah bah c'est ce qui me permet sûrement d'atterrir en bas de la tour là peut-être, non? Ok, bon. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est pas très clair, mais bon. On descendra là après. Oui. Hop là. Attends, parce qu'il y avait des loots aussi ici, là. Ouais. Il faut... Ah ouais, mais du coup, est-ce que je vais pouvoir remonter là? Là, je reparte du feu, non? Quoique, je vois une échelle là-bas. Moyenner un truc.
Ah ouais, c'est eux qui... Tu peux les aggro, eux. Oh là. Ils ont mis je sais pas combien, quoi. Super. Super. Excellent. Alors, bon, ici, donc, on a le... La patrie des pigeons. Ah, 50 000. Ah, 50 000 là, 50 000 là. Ok. Et sinon, ici, il se passe quoi? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un truc où on voyait qu'on pouvait aller vers ces trucs là. Je sais pas si c'est que la distance d'affichage fait qu'on voit pas s'il se passe quelque chose ou pas. On va essayer d'aller voir ça d'aller plus près. Bon, je pense pas qu'il faille sauter là. Des mobs, ça. Ils ont pas l'air de se lever. En même temps, vu le barouf que font... Ah. Lui, il va les faire se lever, lui. Ah, c'est un qui attaque à distance, la joie. On l'appelait John Relou. Normalement, quand tu t'écartes, il s'avance. Merci à toi pour ta participation. Tu veux pas me le lac? Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mais c'était le... Ah, quoi que... Ah oui, non. Ou Malcan, maintenant. Ok. Ah, on voit un peu mieux ce qui se passe, là. Ouais, effectivement, putain, c'est truffé de... Truffé de Zozio, quoi. Mais ça n'en finira donc jamais. Ah, salut toi. Salut toi. Donc ça mène sur cette partie-là. Je me demande si ça rejoint pas le truc de tout à l'heure. Alors attends. Admettons. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme ici, comme ça peut-être. On va retourner vers les pigeons pour voir. Attends, il y avait un loot ici. Ouais, ça fait toujours plaisir. Ouais, je pense que quand on passe par tout en bas, c'est ce qui permet après de remonter. On va déjà essayer de faire la zone des pigeons.
que cela. Ah, il y a un petit bout d'arbre qui permet d'avoir une graine encore. C'est fou ça. Comment est-ce qu'on peut monter là-dessus là? Ah oui, d'accord. Il y a eu les collisions. D'accord. Apparemment, c'est qu'on peut pas. Bon, je suis pas sûr que j'aurais pu sauter là-dessus. Parce que là, j'avais pas eu l'impression qu'on pouvait monter. Mais peut-être que j'ai bugué. Ah si, en utilisant le toit. Même si ils sont 50 000, ça va être casse-couille. J'hésite entre les deux là. C'est la one shot ou pas? Je m'en rends pas compte là. Si c'est bon, c'est la one shot. Ok. Ce que j'espérais. Et où l'autre? Ah, il y en a un là aussi. Putain. Il y avait un autre au-dessus, il est où? Il est là. Il va pas être facile à choper lui. Relève-toi. Oh là là. Mais il m'a défoncé ma vie, hein. J'avais pas vu. Ah ouais, mais vas-y, comment tu fais là? Putain, ça gonfle! Tu peux pas l'attaquer le truc! Je vais tomber, hein, c'est sûr. Hein. Il arrête pas de bouger dans tous les angles là. Et die, motherfucker! Putain! Oh, comment ça saoule! La caméra fait nimp. Mais meurt! Oh putain! Oh désolé, j'ai gueulé dans le micro, mais... Oh c'est insupportable, j'ai bouffé 50 fioles! Oh là là... Merci From Software pour ce pur moment de bonheur, hein. Franchement... Vous êtes les meilleurs pour ça. Ah oui, bah oui. C'est bon. Il n'y a pas un autre avant lui, là? Non, c'était direct lui. Je sais pas si je vais pouvoir remonter là-bas par contre. Oh, il y en a un là, un là. L'enfer. Ah, il y a 50 000 quoi. C'est limite, t'as envie de prendre un petit bouclier là, pop pop pop. Tu les défonces à coups de bouclier, terminant, on parle plus quoi. Et donc ici c'était
D'accord, il y a une collision ici. Ah, ils savent vraiment coder les jeux, hein, From Software, y'a pas de soucis. Hein. C'est un vrai plaisir, n'est-ce pas? Bon, on avait le chemin derrière pour... ouais, du coup, ça veut dire que... si je retourne vers les machins... Ah, mais non, en fait, c'est pas relié. Ah, c'est pas relié du tout. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, Jean-Claude? Ah, faudrait, du coup, il faudrait que j'aille voir en bas, là. Parce que, bon, les pigeons, je peux toujours les faire en partant du feu. C'est jouable. Tandis que là, je suis obligé de revenir ici, quoi. Après, je pense pas que le dragon devrait repop, puisqu'il drop... Oh, il y a des gros chevaliers en bas, là. Oh là là, le plaisir. Il y a encore des grands moments de bonheur qui s'annoncent, là. Putain, j'ai plus que 4 fioles, quoi. Putain de pigeon de merde. Bon, le dragon, je pense pas qu'il repop. Je pense pouvoir rusher ici sans que l'autre m'emmerde de trop. Et après, ici, c'était quoi qu'il y avait déjà? Je sais déjà plus, moi. Quand j'allais vers là-bas, là, il se passait quoi déjà? Je sais plus. Parce que là, clairement, je pourrais pas remonter, ça c'est sûr. Je sais pas où aller. Qu'est-ce qui est le plus pratique? Bon, ça, clairement, je peux le refaire en partant d'en haut. C'est pas trop jusqu'à 50 000 piaf, quoi, donc. Et ça... Ah oui, ça me menait, oui, oui, c'est vrai, j'ai mis un marquage. Est-ce que ça, ça ferait pas partie... Ah non, je pense pas. Parce que là, c'est là où il y avait le creuset, donc moi je venais quand même d'assez loin. Non, je pense pas que ça soit la même zone. Je vais essayer d'aller là-bas, parce que c'est peut-être un cul-de-sac. Là, ce qui m'emmerde, c'est d'avoir que 4 fioles, quoi. C'est casse-couille, hein. Je me souviens qu'il y avait un mob. Voilà, bon, il a pas bougé. Ah, attends. Ah ouais, d'accord. Le plaisir. Ça ramène dans le truc. Oh lolo. Qu'est-ce que c'est que ce trip? Bon là il y avait que le passage, on est d'accord. On peut pas se laisser tomber là. Putain, si. Ah ben oui, du coup, c'est vrai, il y avait ce passage qui... Ah, c'est ici qu'on le prend, en fait. Attends, je peux peut-être le rattraper par en dessous, là-bas. Oh, ce level design. Heureusement qu'ils ont ça, quand même, From Software, parce que pour le reste, ça laisse franchement à désirer. Alors, attends, parce que vu comment c'est foutu, là, je me demande s'il n'y aurait pas un petit site de grâce, là. Ça serait étonnant quand même, parce qu'il y en a un qui avait... ou un raccourci, quelque chose. Ça donne l'impression qu'on peut y revenir assez facilement ici. Est-ce que t'es vraiment tout seul, toi? J'ai des doutes. Ah, mais je croyais qu'il était de dos. En fait, pas du tout. Eh merde, oh les dégâts qu'il m'a mis l'autre là. Oh là là, sérieux. Forcément, c'est la lance que j'ai. Ok, qui fait plaisir là quand même, Jean-Claude.
Oh, je lui fais pas de dégâts, quoi. Oh là là, mais attaque! J'ai déjà plus de stamina. Saute! Ah bah ouais, mais 10 ans après, putain! Oh là là! Pourquoi mon perso il réagissait à rien là de ce que je faisais? J'appuie sur les boutons, il faisait rien quoi. Ah, ça m'énerve. Y a rien de plus insupportable dans un jeu que quand t'arrives pas à jouer quoi. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente de courir en direction du truc? Il y avait tout un tas de mobs en plus qu'il faut repéter, arriver là-bas. Est-ce que ça serait bien que j'aille récupérer mes runes quand même? Ah putain! Ah, des fois j'ai envie de prendre un bouclier, hein. Vraiment. Tellement mal branlé ce putain de jeu que... Vas-y, laisse-moi tranquille, là, enculé de ta grand-mère. C'était où le passage déjà? Eh, je venais d'appuyer sur la roulade, hein. Bon, c'est pas grave. Ah mais en plus il me fout par terre quoi, en plus. Ouais, la joie quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Avec le marteau, tout de suite, ça change tout. Alors, il y avait le mec qui castait les sorts là. Je pense qu'il vaut mieux que je l'attire lui en premier. Est-ce qu'il descend de lui-même ou est-ce qu'il faut commencer à taper ses potes pour qu'il arrive? En vrai, je pourrais prendre le risque de tracer direct de l'autre côté. Hein. Je suis en train de me dire ce qu'ils vont pas traverser. Autant aller direct, direct ici. De face là, il s'est tourné tout à l'heure. Je suis arrivé, il s'est tourné quoi. Direct. Ok. Il était bien de dos, j'ai pas trippé quoi. Ok. Est-ce que. Ah ouais, je passe en charge lourde. Bon, vas-y, c'est pas grave. Si j'enlève ça. C'est quand même lui qui m'a tué tout à l'heure. Alors, est-ce que l'autre, je peux arriver à le surprendre? Ou est-ce qu'il va se jeter sur ma gueule direct? Je crois qu'il venait de la droite. Hein.
Ok. Peut-être passer à gauche. Parce que là, il a l'air d'être de face. Hein. Ouais. Peut-être passer à gauche pour lui arriver dans le dos. Ah. Bon, ça veut dire que là, je peux acheter toutes les pierres sombres. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est où l'autre là? Il est là. Je sais pas pourquoi mon perso s'est arrêté de courir. Mais non! C'est quoi cette technique là? Ils m'ont jamais fait ça là! Nouveau, c'est rien de sortir ça! Non mais par contre, tu vas te calmer là. Tes esquives à deux balles. Là. Rentre chez mémé là. Jamais fait ça, ces petits bâtards là. Grosse AOE de ouf là. Ouais, de toute façon, j'aurais pas pu faire le tour. Okay. Alors, ce qui se passe ici là. Un ascenseur. Bon, c'est bizarre quand même parce que oh, tu peux pas monter ça quoi. C'est bizarre parce que ou alors je sais pas, c'est moi qui ai trippé, mais j'avais l'impression que c'était un chemin où on pouvait être amené à le refaire plusieurs fois quoi. Par en bas là. Ça met nous ça du coup. C'est encore un nouveau site de grâce. J'ai pas trippé, en tout cas le chemin là-bas c'est bien un chemin de tryhard. Ça donnait vraiment cette impression là de toute façon. Donc, D'accord, donc là je suis en face, ok je vois où je suis là. Ah mais donc là je vais au boss là. Attends, il y a un problème là. Pas du tout ce que je voulais faire moi. Je voyais un gros lard tout à l'heure. C'était pas ici. Avec sa grosse épée là. Que là on est d'accord que finalement je suis au-dessus. Ouais. Ça. D'accord, donc il y a bien le chemin là-bas. S'il se passe quelque chose aussi, hein, carrément. Et là, alors, du coup, il se passe quoi? Putain, il y a des chemins partout, quoi. Il faut pas que j'oublie aussi qu'il y avait l'ascenseur aussi de tout à l'heure, là. J'aurais peut-être dû le faire en premier, d'ailleurs, ça.
Est-ce qu'ici... Oui, c'est là où il y avait le chien. Ok, ça je remémore. Ok. Moi j'arrivais par là. Ici on pouvait monter, casser la gueule à machin. Revenir là-bas. Alors ça par contre je sais pas pourquoi. Tout ça là-bas c'est fait. Ok. Et alors ici du coup il se passe quoi? On peut vraiment drop là? Non. Possible. Mais non, on peut pas. Ok, là je vois où c'est. Celui-là est mort, celui d'en dessous est vivant. Hein. Lui il est vivant et celui-là il est mort. Ok, il m'a fait le backstab sur le côté. Enfin, je les farm pour avoir une... Enfin, faut que je regarde ce que j'ai comme... Lui, je crois qu'il est mort. Et lui, il a l'air d'être vivant, lui. Ah, c'était ça l'échelle que je voyais ? Au loin. Mais il est mort lui. Ça sert à rien de prendre la colonne là. Ah, peut-être monter sur le toit. Ça me paraît loin. Oh, puis il n'y a pas de message. Je pense qu'il y aurait quelqu'un qui aurait mis un message. Ok, mais là, si je vais tout en haut, je vais avoir le même problème, c'est que je vais pas pouvoir... ça va être comme l'étage du dessous où il y a les pigeons, quoi. Je vais pas pouvoir utiliser le machin, là. À quoi ça me sert, là, de faire ça? Bon, après, a priori, je pourrais peut-être redescendre avec un jump. Parce que ça, c'est le passage... Oui, où j'aurais pu arriver par en bas, là. Ok. Alors, attends, moi, je suis venu ici comment, déjà, là? Je venais de là.
Ah oui, je suis arrivé de là-bas, moi. De là-bas, qui menait... Je sais déjà plus comment je suis arrivé là, quoi. Ah oui, donc là ça va, j'ai le truc. Donc putain, il y a un passage en bas, il y a des passages partout, quoi. Truc de ouf, ça. Là, c'est pour aller au boss. Ok. Bon, mais là, ça me permet de quand même d'avancer un peu plus dans la zone du dessous. On va rester hein, vers ici, là. J'ai combien? Putain, je suis déjà à 47 minutes, là. Dégo. Ça va éviter. Bon, ça du coup ça me ramène là, d'accord, ok. J'ai bien envie d'aller voir là en premier. Est-ce que ce serait pas du bullshit? Bah, disons que là, si je suis bloqué, que je peux pas utiliser l'ascenseur, je l'ai dans le cul. Alors que si je descends, je peux toujours remonter avec l'échelle. Allons plutôt voir ce qui se passe en bas. Là, je sais pas si d'ici je pourrais pas sniper les... saloupio là. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont vivants dans l'eau là? Attention, ténèbres. Ah. Je me demandais s'il allait pas y avoir un boss ici. Mais apparemment, il va peut-être y en avoir un. Allons. Sur le retour, peut-être. Bernal. Ah! Lui! Ah ouais. Pardon? Pardon? Oui, forcément. C'est sûr qu'il allait m'en recoller une autre. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il se buff. Ah oui, non, bah fais-toi plaisir, hein, ils sont mes deux en plus. Et t'es jamais stun en fait, d'accord. Oula, c'est quoi ton truc là? Ah bon. Oh là là, il prend zéro dégâts. Tant qu'il est ouf ton armure toi. Oh, il a tapé avant moi. Putain. Eh. Okay. Le perso, des fois, il met 10 plombes à réagir à ce que tu lui demandes de faire. C'est vraiment un truc de ouf. Hein. Putain. Qu'est-ce qu'il est mou, ce jeu. Truc de ouf. Faut vraiment être dedans parce que sinon... Ouais non mais... J'avais presque fini mon animation, il arrive à taper plus vite quand même. Hein. C'est quand même pas un petit rigolo celui-là. Il a sensiblement le même moveset que moi, sauf que lui il est plus rapide. C'est normal. Tout va bien, je suis en train de bouffer toutes mes popos pour ce connard. Ah tiens quoi, mon animation était presque finie, j'étais quasiment sur lui, il a tapé, il a eu le temps de taper plus vite que moi. Normal quoi. Ah ouais bien sûr, ça m'a bouffé toute ma stamina. Forcément du coup je peux plus esquiver derrière. Ouais par contre tu vas te calmer avec tes buffs là.
Mais ça, c'est pas normal, je suis pas le pari, là. Il a une main, faut arrêter, c'est n'importe quoi. Putain, ce jeu, mais des fois, il est complètement illogique, quoi. Griffe blasphématoire. Ouais. Spectre du dévoreur. Bon, à part le casse, son armure a l'air d'être cool. on fait voir ça, là. Ouais. Il fait des dégâts de feu. J'avais pas l'impression qu'il faisait des dégâts de feu, mais bon, pourquoi pas. Un serpent engloutissant le monde. Cette arme va symboliser le seigneur du blasphème. L'une des armes légendaires, inspirée par une vision de l'avenir perçue par Rykard. Alors même qu'il se trouvait au seuil de la mort avant de se faire dévorer par le grand serpent. Hein, vous insufflez de la magie dans le sceptre et l'utilisez pour frapper le sol afin de, voler des PV aux ennemis proches. Ah, c'est-à-dire que s'il avait frappé après avoir concentré son truc là, tout ce qui était dans la zone d'effet, il volait des PV dessus. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc il y avait ça, il y avait son armure et il y avait un item aussi. Je crois. J'ai pas fait gaffe si c'était un consommable ou un... ça. Dévie le pouvoir de la lame d'ébène. Mais encore. Morceau de pierre portant les traces de la rune de mort. Capable de dévier le pouvoir de la lame d'ébène. Et la lame d'ébène, à chaque fois qu'on parle de ça, c'est les gargouilles. Il y a encore des gargouilles, là. La nuit du sinistre complot, Rani offrit ses marques au prêteur Rykard en guise de récompense. Si le voile devait un jour être levé sur la trahison imminente, elle servirait d'ultime rempart, permettant à Rykard de le dresser contre Malikès, la lame d'ébène, bête noire de la mort destinée. D'accord. Ok, donc... désolé, je toussais. Donc, en fait, donc Malikès... La lame d'ébène. Donc ça doit être le boss ici, j'imagine. Bête noire de la mort destinée. Il me dit quelque chose ce nom, je l'ai vu dans une autre partie du lore, mais j'arrive pas à me rappeler ce que c'est. Donc vu où ça se situe, j'imagine que ça fonctionne comme l'entrave de Maug et de Margit. Capable de dévier le pouvoir de la lame d'ébène. Bon bah écoute, je verrai bien quand je serai sur le boss. Ok, et ce que là forcément ça me parle pas quoi. Et son armure c'était quoi? C'était celle-là? Champion bestial altéré. Ah, donc elle a peut-être une capuche quand elle est en normal. 16. Ah ouais, c'est hyper long. Hein. Ah, à quoi ça ressemble. Ah, faut voir. Avec une capuche c'est peut-être pas mal. Hein. Avec une capuche. Avec une cape. Je pense qu'elle doit avoir une cape de base. Merde. Faut voir. Bon, j'ai bouffé toutes mes popos pour ce connard. Hein. Ah ouais, quoi. D'abord, oh mes trous. Baragouine. Oh, sérieux? Ce truc fait de mob. Ah, la grosse idée, quoi. Ouais, j'ai plus qu'une popo, hein. C'est couille. Ah non, il m'en a refilé les deux. Dans les trois maintenant. Ouais, venez voir papa là. Non, oh, mais restez groupiers les gars. Sérieux, on va peut-être penser à prendre des dégâts, quoi. Je peux pas utiliser l'autre lance parce que je vais me casser la gueule. Au moins que je tue lui parce qu'ils sont vraiment relous, ceux-là, ils sont hyper tanky. Et à
affronter les trois en même temps avec un comme ça, là, ça va vraiment être casse-couille. Non mais sérieux, le jeu des fois il te troll, c'est un truc de ouf quoi. Ah, je sais pas pourquoi il me la déloque. Voilà. Ah bah oui non, je suis con, oui, j'ai plus le... Plus les petites épées. Bon, on va y aller à coup de marteau. Ils sont rentrés à l'intérieur là ? Oula ! Un peu trop de cocaïne toi ? Pas gaffe hein ! Ça dégage. Bouclier jardin bête. Le truc complètement what the fuck. Et du coup, c'est quoi qui protégeait là? Talisman d'ancien seigneur. D'accord. Kezako. Ah, c'est un talisman comme ça? Eh non. Bah. Je suis bigleux ou... Ah oui, il est là. Augmente la durée d'effet des sorts. Ah! C'est aussi sympa, tu le trouves à la fin du jeu. Les petits canailloux. D'accord, ok. Bah écoute, pourquoi pas. Ouais. Ils font tout pour que tu fasses du NG+. Ouais. Donc là, c'est vraiment que ça ici, d'accord. Ok. Je pense pas qu'on puisse sauter sur les... Ah, quoique. Quand même, par acquis de conscience, checker celui-là, mais. Et donc, on a vu sur les corbacks de ces morts. Ah, est-ce qu'elle s'ouvrirait cette porte là-bas? Peut-être. J'ai trois fioles. On va essayer de se le faire, lui, là. Alors, remarque d'où il est, je peux le spammer de lance spectrale. Je suis en train de me dire, là. Mais carrément... d'avoir joué avec nous. Ok, bien. Cadeau de merde. Ça fait vachement haut en fait. Hein. Je suis pas sûr que je puisse redescendre ici là. Même pas bien que c'est un bescon ça. Ah ça va. Ça va, ça va. Donc lui, il aurait deux étapes. Une étape au niveau des corbeaux. Je vais m'arrêter. Ah,
ouais, d'accord. Si tu veux descendre là, faut descendre en cours de route. D'accord. Ah ouais, mais non, attends, parce que si je veux... Ah ouais, mais non, je pourrais pas prendre la chute, là. Ah, le Bescon. Bon, au cas où, je regarderai quand même si je peux descendre. Bloque-moi l'autre, là. Putain, mais pas 10 ans. S'est mis en mode tapisserie. Ils sont bien faits quand même. Ils sont relous, mais ils sont bien faits. Ah, on est à 1h02 là. Putain, fait chier. Est-ce que je pourrais au moins finir cette zone là? Intéressant ça quand même. Donc c'était bien cette échelle-là que j'avais vue au départ. Okay. Là, il nous en reste deux sur la route. Ah, est-ce qu'elle s'ouvre cette porte? Absolument pas. Ou alors pas de ce côté-là. Alors ce qui fait chier, c'est que sur le côté à droite, là, on voyait qu'il y avait un mob dans une espèce de voûte et je pensais qu'on pouvait y aller, mais en fait non. C'est relou ça quand même. Oh. Bon, t'as rien vu apparemment. Ben, tout ça pour une arc derrière, hein, la fin du jeu, tu crois vraiment que je vais crafter quelque chose avec, hein? Ok. Fais-toi plaisir, bah, t'as quand même le déloc en passant. Hein. C'est une belle idée ça. Tiens, prends ta mouille. Saloperie. Bah, comment on y va ici, du coup? Ils ont bien mis un item, donc c'est bien fait exprès pour que tu comprennes qu'on peut y aller, quoi. Merde alors. C'est salaud ça. Est-ce qu'on pourrait pas passer en dessous là? Putain, mais si. Putain que. Attends, mais c'est par où? C'est quand t'arrives en dessous que tu peux revenir comme ça? Oh la vache. Et c'est pas un peu exagéré ton histoire là? Forcément envie de tenter d'aller sur le petit rebord en dessous là. Mais ça sent la mort quand même. Hein. Mmh.
camp. Ah oui, mais le problème c'est que ils sont là, du coup. Mais oui. Oh la joie. Non, je veux que tu passes à deux mains. Non, ça a pas l'air des agros, ça. Ah oui, d'accord. Ok. Faut pas que je le tente comme ça. Faudrait que... Putain, mais est-ce que je vais réussir à sauter aussi loin? Je suis pas sûr. Hein. Bon, j'aurais pu venir d'ici apparemment. Putain, un creuset qui est en train de défoncer tout le monde. On va voir ce que j'aurais pu descendre ici. C'est l'étage du dessous. Je suis pas sûr qu'il y ait une espèce de porte. J'ai envie de savoir. On dirait qu'il y a une espèce de porte, mais est-ce que je peux l'ouvrir cette porte? Bon, fouille dangereusement. Ah, par contre, il y avait. On m'a dit qu'il y a un item en dessous, on dirait. Ah, c'est peut-être un. Un mob qui est mort, qui est tombé. Et le pire, c'est que j'ai même pas réussi à voir si s'il y avait un truc ou pas. Si la porte. Est-ce que j'ai juste glissé ou est-ce qu'il y avait vraiment rien? Je sais pas. J'aurais voulu les yeux verts là, mon perso, non? Pas censé avoir les yeux verts. En bleu. Ok, bon. Bah, je vais arrêter la vidéo là, de toute façon, 1h09. Bon, il reste encore quand même pas mal de choses à faire. Notamment l'endroit où j'étais parti, là. Ouais, il y a ça. Donc, l'endroit des piafs, c'est fait. Il y avait une zone aussi auparavant que j'ai pas oublié, mais je vais pas y aller tout de suite, parce que je vais essayer de récupérer mes runes, quand même. Ouais, il y a que cette zone en contrebas là, a priori. Hein. T'es pas faite. Ouais, on va voir ça. J'ai même plus une petite clope, et puis de toute façon, je vais enchaîner encore une vidéo de plus. Allez, bah merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao, bye bye.